Alors Zenoul, on a vu que Boulogne était bien rentré dans le match. Qu'est-ce qui s'est passé? Même à la mi-temps, vous aviez un point d'avance. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On n'a pas su tenir les duels défensivement. Vous savez que Denain, c'était une équipe très offensive, surtout à domicile. Et ça s'est prouvé à la fin avec le score de plus de 100 points. Donc ça s'est joué défensivement. Sinon, offensivement, on a fait des bonnes choses. On ne va pas tout jeter. On va devoir revoir la vidéo et retenir certains points positifs et essayer de travailler pour les deux prochains matchs qui seront décisifs pour nos playoffs. Et justement, qu'est-ce qu'il va falloir travailler précisément pour la fin? Ça va être nos rotations défensives sur les trappes. On est lent encore sur nos rotations à l'opposé de la balle et c'est ce qui nous coûte cher. Ok, donc maintenant on va parler d'un sujet beaucoup plus léger. Ouais. La mode entre guillemets que vous aviez mis en place en début de saison. Ouais. On en entend plus trop parler. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire par la suite? C'est normal qu'on ait entendu parler parce que les températures sont adoucies. Donc on peut plus se mettre en jogging et pour jouer dans une salle. Mais bon, là pour l'été, j'ai un nouveau style qui arrive bientôt là, et vous allez en entendre parler ici. Merci beaucoup.